pourquoi je veux t'inviter à être reconnaissant envers ton Dieu et commencer à dire merci au Seigneur pour ce privilège qu'il t'accorde encore en ce jour, en cette soirée, de t'approcher de son trône de gloire. Élevons nos voix, prions. Seigneur, Dieu de gloire, nous te disons merci, nous te rendons grâce, ô Éternel. Merci pour ton amour, Jésus, mon. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, parce qu'en ces jours, Jésus, tu avais voulu, Seigneur, que nous puissions être en vie, Seigneur. Et oui, tu nous as accordé l'être et le mouvement, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Oui, Père éternel, lorsque nous sommes allés dormir, éternel, mon Dieu, mon roi, cela a été notre volonté, Seigneur Jésus. Mais le fait de se réveiller, éternel, mon Dieu, mon roi, cela a été une décision qui te revenait, éternel, mon Dieu. Et Seigneur, tu as jugé bien, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Puissance, notre Dieu. Que nous soyons une fois de plus Dieu, Père éternel, comptés parmi les vivants, éternel, merci, mon merci, Dieu, papa. Seigneur, je te dis que nous merci, avons notre Dieu qui nous rend, Père merci éternel, pour tout ce que tu fais, merci pour ta à grâce, notre Dieu, fils, Seigneur Jésus, nous disons, merci, merci Père Dieu, éternel, ta grâce nous environne, ta grâce nous accompagne chaque jour, car chaque en ces instant, jours, chaque moment, mon Dieu, nous avons pu expérimenter tes bontés, éternel, mon Dieu, mon Dieu, ta grâce, ta faveur, notre Dieu, nous te disons merci, merci Seigneur Jésus, car nous sommes ce que toi tu as voulu que nous soyons, Père éternel, nous t'élèvons, tes bontés dans nos vies, éternel, mon Dieu, mon roi, merci Seigneur Père pour tout ce que tu fais. Seigneur, je lève ton nom, Jésus. Gloire te soit rendue, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour la vie de mon frère, merci pour la vie de ma soeur, éternel, mon Dieu, mon roi. Que l'amour, Seigneur, te revienne au nom de Jésus. Merci à toi, Jésus. Bien-aimé, lève encore ta voix. Tu vas dire merci au Seigneur pour les membres de ta famille qu'il a gardés, qu'il a préservés. Parmi les membres de nos familles, il y en a qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais celui qui fait pleuvoir sur le bon tout comme sur le méchant a jugé mieux de garder le membre de nos familles en vie. Tu vas élever ta voix, tu vas rendre grâce à Dieu pour chaque personne de ta famille qu'il a préservée en ce jour. Élève ta voix. Seigneur Dieu, je te dis une fois de plus merci. Merci Seigneur Jésus pour les membres de nos familles que tu gardes, que tu protèges, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci éternel, mon Dieu, mon roi, pour mes enfants, Seigneur. Merci pour la vie de mon mari, éternel, mon Dieu, mon roi, Jésus. Merci Seigneur, car tu nous as tous gardés, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Merci de nous avoir préservés, éternel, Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Père éternel, je te dis merci pour chaque personne au sein de ma famille. Merci pour mes parents, merci pour mes frères et sœurs. Merci pour mes neveux et nièces. Merci pour mes cousins, pour mes cousines, éternel, mon Dieu. Je te dis merci pour mes tantes. Je te dis merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Pour la vie de ma grand-mère, Seigneur Jésus, merci, ô éternel, mon Dieu, pour chaque membre au sein de ma belle famille, Seigneur, que tu as gardé, Seigneur Jésus. Merci pour les membres de la famille de mon frère et de ma sœur, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire te soit rendue, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais au sein de nos familles. Merci, Seigneur Jésus, pour cette grâce que tu déverses sur tout en chacun, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Père éternel, parce que tu es toujours là présent, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, dans nos familles, Jésus. Merci, Père éternel, car Dieu, c'est lui qui nous préserve de toutes sortes de maladies. Ô éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur. Merci, ô éternel Dieu, parce que tu es le Dieu qui combat pour nous, Seigneur Jésus-Christ, et tu nous permets de remporter des victoires, Seigneur Jésus. Gloire te soit rendue, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas te présenter devant le trône des grâces de Dieu. Tu vas lui demander pardon pour tout ce que tu as fait, de choses que tu connais qui n'ont pas honoré le nom de Dieu. Même lorsque tu étais en train de le faire, tu savais très bien que ce que je suis en train de faire ne rentre pas dans la volonté du Seigneur. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut de moi, mais tu l'as quand même fait. Tu vas te présenter devant le Seigneur. La parole de Dieu déclare que celui qui confesse ce péché et le délaisse obtient miséricorde qui vient de notre Dieu. Alors, ce soir, je t'inviterai non seulement
à confesser tes péchés devant le Seigneur, mais également à prendre la décision aussi de les abandonner, de le délaisser, afin que ce qui freinait ta marche avec le Seigneur puisse laisser le champ libre, afin que tu puisses expérimenter les merveilles de Dieu. Élève ta voix, prie. Seigneur, nous nous approchons de toi. Nous approchons de ton trône de gloire, Seigneur. Ô éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur Jésus, que nous n'avons pas marché de façon correcte devant toi. Seigneur, lorsque nous venons devant toi pour confesser nos péchés, Seigneur, nous ne t'informons de rien, éternel, mon Dieu, car tu es au courant, Seigneur Jésus, de tout ce que nous avons eu à faire, Seigneur, durant toute cette journée, éternel, mon Dieu, mon roi. Même des choses que nos proches n'ont pas pu détecter, Seigneur, mais toi qui connais toutes choses, toi qui vois dans le secret, éternel, mon Dieu, mon roi, Père, tu as vu, Seigneur Jésus, nos agissements, Seigneur, nos réactions, Père éternel, c'est que nous avons murmuré au-dedans de nous, Seigneur, des choses qui ne t'ont pas rendu gloire, Seigneur, des choses qui ne t'ont pas honoré, ô éternel mon Dieu. Seigneur, je viens devant toi, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, si j'ai médité du mal, éternel mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi, Seigneur, pour toute mauvaise pensée, Seigneur Jésus, qui a traversé, éternel mon Dieu, mon roi, mon esprit, Seigneur Jésus. Père, je viens me prosterner devant toi, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, je viens m'humilier, Seigneur, humilier mon cœur devant toi, Seigneur, de demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne mon frère, Seigneur. Pardonne ma sœur, éternel mon Dieu, mon roi. Ô éternel Dieu de gloire, ta parole me dit, Seigneur Jésus, que ton oreille ne parcourt, Seigneur mon Dieu, mon roi, ta main ne parcourt ni ton oreille sourde pour exaucer, entendre nos prières, Seigneur, ou pour nous bénir, Seigneur Jésus. Mais ce sont nos péchés, Seigneur, qui mettent barrière, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous venons, Seigneur Jésus, au devant de ton trône de grâce, Seigneur, car nous aimerions, Seigneur Jésus, qu'aucun péché, Seigneur, ne fasse barrière, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, qu'aucun péché, Seigneur, ne puisse crier devant toi, Seigneur, qu'aucun péché, Seigneur, ne puisse empêcher l'exaucement de nos prières en ce soir. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous voulons obtenir miséricorde venant de toi, au nom de Jésus. Merci, éternel mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier par ton sang précieux. Seigneur Jésus, ton sang qui a coulé, éternel mon Dieu. Ce sang, Père éternel, qui nous a racheté, éternel, mon Dieu. Seigneur, que ce sang nous sanctifie, Père éternel, de sorte que nous puissions nous approcher de toi en étant purifiés, sanctifiés, propres devant ton trône, éternel, mon Dieu, mon roi. Comme tu dis dans ta parole, que tu aimerais que ceux qui s'approchent de toi puissent se sanctifier davantage, éternel, mon Dieu, mon roi. Alors ce soir, Père, nous avons besoin que ton sang puisse nous nettoyer, Seigneur. De la tête, Seigneur, jusqu'au plan de nos pieds, éternel, mon Dieu, mon roi. Que ton sang nettoie notre intérieur, éternel, mon Dieu, mon roi. Que nous sommes purs devant toi. Que nous nous présentions devant toi, Seigneur Jésus, avec des vêtements purs, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Glorifie
puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Te remplir encore en ce soir. Nous voulons vivre la puissance des dieux. Nous voulons vivre la puissance du Saint-Esprit au sein de nos vies. Alors nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous remplisse encore en ce soir. Voilà pourquoi tu vas demander à ce que l'Esprit de Dieu vienne, que l'Esprit de Dieu te remplisse, afin que des choses, des paroles que tu vas faire monter vers le Seigneur ne soient pas inspirées de ta propre chair, mais que cela soit inspiré du Saint-Esprit. Que tu sois celui qui va adorer le Seigneur selon l'Esprit et non pas selon la chair. Alors demande la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de la présence de ton Esprit dans nos vies. Ô éternel, mon Dieu, mon roi, tu nous dis dans ta parole que sans ton Esprit, nous ne pouvons rien faire, Seigneur Jésus. Que sans la présence du Saint-Esprit, éternel, mon Dieu, mon roi, Père, nous ne pouvons rien faire, éternel, mon Dieu, Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, nous ne voulons pas que les choses puissent prendre, éternel, mon Dieu, mon roi, la direction que nous voulons donner, Seigneur. Mais nous voulons, éternel, mon Dieu, mon roi, que l'Esprit des cieux, ô l'Esprit qui dirige toutes choses, Seigneur, que ton Esprit, Seigneur, puisse venir encore nous remplir, Seigneur. Nous voulons être remplis de toi, Seigneur Jésus. Nous voulons que ton Esprit, Seigneur Jésus, vienne. Que ton Esprit éternel, mon Dieu, nous remplisse, Seigneur. Afin que nos vies soient imparties, Seigneur Jésus. Oh Dieu de gloire, nous avons besoin de ton Esprit. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens. Cher Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta puissance. Cher Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta présence. Viens agir au-dedans de nous au nom de Jésus. Esprit de Dieu, viens remplir tout en chacun de nous. Oh Seigneur Dieu, nous nous approchons de toi comme des vases vides, Seigneur Jésus. Cherchons à être remplis, Seigneur. Cherchons à être remplis, remplis, Seigneur, de ton Esprit, oh Dieu. Oh Seigneur Jésus, que sommes-nous sans ton Esprit, Seigneur? Que sommes-nous, Seigneur Jésus, sans ton Esprit, Seigneur Yahweh? Nous voulons simplement ton Esprit, Seigneur. Nous désirons ton Esprit éternel, mon Dieu, mon roi. Nous désirons la puissance du Saint-Esprit éternel, Dieu de gloire. Ô Esprit de Dieu, l'Esprit de l'intelligence, l'Esprit de sagesse, viens te manifester dans la vie de tout en chacun de nous. Manifeste ta présence, Seigneur Jésus. Manifeste ta présence, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, manifeste-toi, Seigneur Jésus. Que nous avons besoin de ton Esprit, Seigneur. Alléluia. Toi qui es incomparable et tout puissant, nous voulons de toi, notre Dieu, Saint-Esprit. Voulons vivre ta puissance. Nous avons besoin de toi, Jésus. Parle ta puissance. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Manifeste ta puissance, Jésus. Alléluia. Nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance, Jésus, Jésus.
que l'Esprit de Dieu puisse te remplir de sorte que partout où tu vas, que tu ne puisses pas passer sans laisser de signe. Que la présence du Saint-Esprit en toi fasse que tu puisses impacter également de vie. Que là où tu es, que là où par où tu passes, que les vies des gens soient impactées. Que les gens sachent réellement qu'il y a une personne qui a un esprit qui est différent de tout autre esprit. Alors tu vas prier encore, tu vas désirer encore la présence du Saint-Esprit, l'Esprit qui va te permettre d'impacter au nom de Jésus. Seigneur, nous demandons encore la présence du Saint-Esprit. Seigneur, que ton Esprit éternel en ce moment, Seigneur Jésus, viens nous permettre, Seigneur, d'impacter éternellement ce roi. Seigneur Jésus, que cet esprit éternel, mon Dieu, ne puisse pas simplement rester en nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que cet esprit éternel, mon Dieu, mon roi, que cette puissance, Seigneur Jésus, que nous avons reçue, éternel, mon Dieu, mon roi, ne puisse pas rester, Seigneur, une puissance inactive, éternel, mon Dieu, mon roi, Jésus. Mais nous voulons que ton esprit en nous soit en action, Père éternel, de sorte que partout où nous allons, là où nous passons éternellement ce moment, nous puissions impacter éternellement ce moment. Et oui, que nous impactions, Seigneur Jésus, au éternellement ce moment, que nous puissions laisser des signes éternellement ce moment, que le monde reconnaisse en nous, Seigneur Jésus, avoir un esprit supérieur, un esprit que le monde peut nous donner, au éternellement ce moment, Seigneur, un esprit différent de tout autre esprit, Seigneur Jésus. Yahweh, remplis-nous, Seigneur Jésus. De la gloire, car nous voulons, Père éternel, laisser notre éternel Dieu. Revenons, Seigneur Jésus, de la puissance du Saint-Esprit. Revenons, éternel, mon second roi, de la puissance du Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Oh, éternel, mon second roi, Seigneur. Et oui, que cet esprit, éternel, mon second roi, Seigneur, nous donne, éternel, Dieu de gloire, Seigneur Jésus, de faire des nations, éternel, mon Dieu, tes disciples, Seigneur. Que cet esprit, éternel, mon Dieu, en nous puisse ranimer encore, Seigneur Jésus-Christ, le zèle. Oh, éternel, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions avoir cette liberté de parler de toi, Seigneur. Manifeste-toi sur Saint-Esprit. Manifeste-toi sur Saint-Esprit. Manifeste-toi sur Saint-Esprit. Oh, que nous puissions impacter l'Esprit de Dieu vivant. Que nous puissions impacter éternellement ce roi, Seigneur Yahweh. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, manifeste-toi éternellement ce roi. Bien-aimé, tu vas encore élever ta voix. La Bible nous dit de marcher selon l'Esprit et nous n'accomplirons pas le désir de la chair. Tu vas demander à ce que l'Esprit de Dieu te donne de renoncer à toute œuvre qui est contraire aux œuvres de l'Esprit. Que tout ce qui n'est pas fruit de l'Esprit, que tu puisses être capable, que l'Esprit de Dieu te donne cette capacité de renoncer à toutes ces choses afin que tu puisses marcher réellement selon l'Esprit et que tu ne puisses plus être cette personne qui accomplira les œuvres de la chair. Que tu ne sois plus cette personne qui va être esclave de la chair, mais que tu sois celui qui va être dépendant du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nous venons te prier, Seigneur, encore une fois, Jésus. Nous voulons que ton Esprit, Seigneur Jésus, nous donne la capacité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de renoncer, Père éternel, à toute œuvre de la chair, éternel, mon Dieu, mon roi, à toute œuvre qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur Jésus, toute œuvre charnelle, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Dieu, ô éternel, mon Dieu, mon roi, que ton esprit nous donne le courage, éternel, mon Dieu, que ton esprit nous donne, éternel, mon Dieu, mon roi, le pouvoir, Seigneur Jésus, de réunir
renoncer éternellement ce mot roi à tout esprit qui est contraire aux œuvres de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Ô éternel monde, ce beau roi, esprit de Dieu, capacite tout en chacun de nous. Capacite-nous, éternel monde, ce beau roi, Seigneur. Oh, que toi, tu puisses nous équiper afin que nous puissions être capables, cher Saint-Esprit, de renoncer éternel monde, ce beau roi. Même si, Seigneur, cela pourrait être tentant, Seigneur Jésus, pour nous, éternel monde, ce beau roi. Mais que tu nous donnes, Seigneur Jésus, de ne pas tomber, Seigneur, que tu nous donnes, éternel mon Dieu, de demeurer ferme, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur, de nous accrocher à toi, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, donne-nous, Seigneur Jésus, d'être sensible à ta voix, Seigneur Jésus, à la voix de l'Esprit, Seigneur. Père éternel, lorsque ton Esprit nous parle, que nous puissions, éternel mon Dieu, être sensibles à l'Esprit de Dieu, afin que nous ne puissions pas accomplir les œuvres de la chair, au nom de Jésus. Merci, selon les fruits d'esprit, que tout ce qui est fruit d'esprit merci, soit donc Seigneur Jésus. Toi qui es le Alléluia. Merci, éternel mon Dieu, mon roi. Merci, notre Dieu. Gloire te soit rendu, Seigneur Jésus. Alléluia. Sois élevé, Jésus. Tu m'aimes vers les âmes. Nous chantons majesté. Majesté, majesté, majesté.
dans ce moment. Merci parce que tu es sois dans sa volonté d'agir et d'accomplir la grâce de ta mort. Merci parce que nous sommes dans ton Dieu et nous sommes dans la grâce de Dieu. Bien-aimé, élève le nom de Dieu dans sa vie. La Bible déclare que lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez qui il est réellement. En ce moment, je t'inviterai à commencer à élever le nom de Jésus. Élève le nom de Dieu. Seigneur, nous élevons encore ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, je viens te lever parce que tu es merveilleux. Je viens te lever, Seigneur, non seulement parce que tu es le Dieu incomparable. Tu es le redoutable Dieu, Seigneur Jésus. Et moi, il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comparable à toi, éternellement, ce mon roi, Seigneur. Je viens te lever, éternellement, mon Dieu, véritable pas. Je ne veux pas élever notre nom, Seigneur, dans ma vie, Seigneur. La parole te dit, Jésus, que tu as élevé le nom qui est au-dessus de tout nom. Je t'élève dans ma vie, Seigneur, je t'élève dans ma famille, je t'élève dans ma vie. Celui qui est mon roi élevé, Seigneur Jésus, que tu es le Dieu incomparable, Seigneur, mon roi, que personne ne peut se caler à toi, Seigneur Jésus. Oh, éternel, mon Dieu, voilà pourquoi je viens te lever, Seigneur Jésus. Je viens te lever, Père éternel, dans ma vie, Seigneur. Je te lève dans ma famille, éternel, mon Dieu, moi comme le roi, Seigneur Jésus. Je te lève, Père éternel, dans mon foyer, Seigneur Jésus. Je te lève, Seigneur, au sein de ton église, Seigneur, mon Dieu. Je te lève dans la vie de mes enfants, Seigneur. Je te lève dans la vie, Seigneur Jésus, de mes frères, de ma sœur, oh Dieu. Seigneur, nous t'élèvons, Père éternel, Jésus, car tu es digne d'être levé, Seigneur. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être exalté, Seigneur. Qui est ce Dieu qui est comme toi, Seigneur? Qui est ce Dieu qui peut faire des choses comme toi? Qui est celui qui peut parler comme toi, Seigneur Jésus? Oh Père éternel, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, tu es incomparable, Seigneur Jésus. Oh, merci, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Gloire te soit rendu, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Dans nos vies, Père éternel, il n'y a que toi, Seigneur. Mais Dieu, nous te possibilités, Seigneur Jésus. C'est toi, éternel, mon Dieu, mon roi. Le soleil est grand, Père éternel, Jésus. Le temps brillant du matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, gloire te soit rendu. Auprès de toi.
Seigneur, auprès de toi, Seigneur, nous voulons être, Seigneur Jésus.
près de toi éternellement de ce moment, Seigneur. Garde tout en chacun de nous. Seigneur, que le plaisir de ce monde ne puisse pas nous éloigner de toi, Seigneur. Que les choses de ce monde ne nous éloignent pas de toi, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, tiens-nous par la main, Seigneur. Prends-moi par la main, Seigneur Jésus. Prends mon frère par la main, Seigneur Jésus. Prends ma soeur par la main, éternellement, Dieu mon roi. Car nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi, notre Dieu. Nous voulons que toi seul puisses nous guider, Seigneur. Que toi seul nous montres le chemin, éternellement, Dieu. Yahweh, ta parole me dit que tu es le chemin, que tu es la vie, que tu es la vérité, Seigneur. Loin de toi, Seigneur, c'est la mort, Jésus. Loin de toi, Seigneur, c'est la mort, Père. En dehors de toi, Seigneur Jésus, nous sommes égarés. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons demeurer auprès de toi, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur. Auprès de toi, Seigneur Jésus, nous voulons être, Père. Garde tout en chacun de nous, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, éternellement. Merci, Jésus. Jusqu'à ce que la gloire descende. Elia,
Bien-aimé, tu vas prendre ce qui te dérange. Tu vas le présenter devant le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur de se montrer que tu veux voir la face de Dieu dans ta vie. Que s'il t'a déjà permis d'expérimenter certaines de ces phases, nous savons que notre Dieu a plusieurs phases. Alors tu vas lui demander que dans ce cas précis que tu vas lui présenter, dis-lui: Seigneur, j'aimerais te voir tel que tu es. Si c'est une maladie, dis: Seigneur, j'aimerais te voir comme il y avait Rapha. Dis: Seigneur, j'aimerais te voir comme le Dieu qui pourvoit. Dis: j'aimerais te voir comme le Dieu qui peut tout, qui n'a point de limites. Alors élève ta voix. Élève ta voix. Seigneur, tu montres-toi tel que tu es. Toi qui me connais mieux. Seigneur, tu connais le cœur de tout en chacun. Oui, Père, je sais une chose. Que chaque personne qui s'est présentée en tes lieux, Père éternel, n'est pas venue, éternel, mon Dieu, parce qu'il manquait de choses à faire. Mais si, Père éternel, nous sommes venus là, Seigneur, nous sommes venus nous présenter devant le roi de rois. Nous sommes venus, éternel, mon Dieu, au cabinet céleste, éternel, mon Dieu, mon roi. Dans ce cabinet, éternel, mon Dieu, nous savons que nous avons solution à toutes choses. Nous savons que nous avons solution à tous nos problèmes, mon Dieu. Père éternel, ce soir, nous te demandons, éternel, mon Dieu, mon roi, de te montrer tel que tu es, éternel, mon Dieu, mon roi, Jésus. Tu as donné la mission à Moïse d'aller vers Pharaon, éternel, mon Dieu, mon roi. Moïse a répliqué en te demandant: qu'est-ce que je dirais à Pharaon s'il me demandait qui m'a envoyé? Tu lui as dit, tu lui diras que c'est je suis qui me dit, qui m'a envoyé. Ô éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Ce soir, éternel Dieu, nous reconnaissons en toi le je suis. Nous reconnaissons en toi le je suis, éternel Dieu. Parce que tu es celui qui opère, éternel, mon Dieu, mon roi, maintenant dans nos vies, Seigneur. Père éternel, nous te reconnaissons, Père éternel, comme le je suis Yahvé Rapha. Ô éternel, mon Dieu, nous te reconnaissons comme le je suis Yahvé Sabaoth, Seigneur. Nous te reconnaissons comme le je suis le Dieu qui pourvoit. Nous te reconnaissons, Père éternel, comme je suis le Dieu qui marche avec nous, Seigneur. Qui ne nous abandonne pas, Seigneur. Qui est là, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te reconnaissons comme le je suis le Dieu qui tend son oreille à nos prières, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te reconnaissons comme le Dieu qui nous dit: si vous tournez vers moi vos regards, leur propre ne fera pas partie de vos vies, Seigneur. Vos visages ne seront point couverts de honte, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te reconnaissons comme le je suis le Dieu capable de toutes choses, éternel, mon Dieu, mon roi. Ô éternel Dieu, si nous pouvons présenter nos problèmes auprès des hommes, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus. Père éternel, les hommes sont limités, éternel, mon Dieu. Mais nous reconnaissons en toi le Dieu qui n'a point de limites, le Dieu qui n'a point de frontières, éternel, mon Dieu, mon roi. Devant toi, Seigneur Dieu, les barrières n'existent pas, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je me rappelle encore, Père, dans ta parole, que ton peuple d'Israël, Seigneur, serait trouvé devant la mer rouge, éternel Dieu. Ô Dieu de gloire, c'est qu'ils ont fui comme un obstacle, Seigneur, comme un problème, éternel, mon Dieu, mon roi. Mais tu t'es présenté jour-là, Père éternel, comme je suis les bâtons de Moïse, qui peut fendre la mer en deux, éternel, mon Dieu, mon roi, et vous permettre de passer à sec, ô Jésus. Seigneur, tu es le Dieu de toute possibilité. Yahweh, vois, Seigneur, le cœur de tout en chacun de nous. Vois, éternel, mon Dieu, mon roi, cette personne, ce cœur, éternel, mon Dieu, qui est en train de crier à toi ce soir. Ô éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Elohim. Manifeste-toi, Yahvé Jiré. Manifeste-toi, Elohim. Manifeste-toi.
Que le Seigneur te donne d'avoir toujours foi en lui. Que ta foi ne soit jamais ébranlée. Que ta foi ne soit jamais secouée. Élève ta voix et prie. Seigneur, nous te prions éternellement, Dieu. Seigneur, nous nous présentons devant toi. Nous nous recommandons auprès de toi, Seigneur. Yahweh, nous recommandons notre vie de foi, Seigneur Jésus. Seigneur éternel, nous voulons, Père éternel, que nous puissions avoir une foi ferme. Seigneur, que notre foi éternelle, mon Dieu, ne puisse pas être secouée, éternel, mon Dieu, mon roi, par des problèmes, Seigneur, qui se présenteraient dans nos vies, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, que notre foi ne soit jamais ébranlée, éternel, mon Dieu. Oh Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous serons mis à dure épreuve, éternel, mon Dieu, mon roi, que nous puissions toujours croire en toi, Seigneur, que nous puissions toujours avoir foi en toi, éternel, mon Dieu. Oh Seigneur Jésus, que nous puissions toujours nous souvenir, Père éternel, qu'un jour, éternel, mon Dieu, mon roi, nous avions eu à traverser une situation difficile, éternel, mon Dieu, mon roi, une situation dans laquelle on ne voyait pas d'issue, Seigneur Jésus, mais tu avais frayé un chemin, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur Dieu, que tu nous donnes, Seigneur Jésus, d'avoir foi en toi, Seigneur. D'avoir toujours foi en toi, Seigneur Jésus. Que je reste ferme. Que les moments soient bons ou pas, Seigneur Jésus. Seigneur, que notre foi demeure éternelle, mon Dieu, mon roi. Que notre foi demeure éternelle, Dieu de gloire, Seigneur. Que nous puissions toujours croire en toi, Seigneur. Que nous puissions toujours croire en toi, éternel Dieu. Que nous puissions toujours
toujours, avoir Père éternel, notre foi en toi, Seigneur Jésus-Christ. Garde ma foi, notre Dieu, en Seigneur, toi. Seigneur, garde-nous. Garde-moi, notre Dieu, à toi. Que je puisse croire, notre Dieu, parce que tu es mon Dieu. Tu es le seul. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi. Ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter les victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Jésus-Christ les
soleil de la vie. Tu vas recommander cette église entre les mains de Dieu. Tu vas prier pour chaque serviteur qui œuvre au sein de cette église. Tu vas demander à ce que le Seigneur nous donne d'avoir ce désir-là, de le servir, et que nous puissions servir le Seigneur selon qu'il veut et non pas selon que nous voulons, que nous puissions apprendre à servir Dieu selon l'Esprit et non pas selon la chair, que l'Esprit de Dieu puisse prendre place dans notre façon de faire les choses, dans notre façon de nous conduire, dans tout ce que nous avons à faire. Demandons à ce que le Seigneur puisse agir dans la vie de chaque serviteur au sein de l'Église. Au nom de Jésus, prions. Père, je te prie, je te recommande éternellement, Dieu, mon roi, chaque serviteur. Éternel, mon Dieu, Seigneur, Père, c'est toi qui appelles, éternel, mon Dieu, mon roi. Je crois, éternel, mon Dieu, mon roi. J'ai la conviction, Seigneur, Jésus, que chaque personne qui œuvre, éternel, mon Dieu, mon roi, au sein de cette assemblée, éternel, mon Dieu, ne s'est pas auto-proclamé, éternel, mon Dieu, mon roi. Mais ce sont des personnes, Jésus-Christ, que tu as appelées, éternel, mon Dieu, et qui ont répondu à cet appel, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, laisse que, éternel mon Dieu, mon roi, que toi tu nous donnes de nous conformer, Seigneur Jésus, à cet appel, Père éternel Jésus, que toi tu as lancé à tout en chacun de nous. Oui, Seigneur, lorsque tu as appelé tout en chacun de nous, tu as parlé à tout en chacun, éternel mon Dieu, mon roi. Chaque serviteur au sein de cette assemblée, Seigneur, c'est, éternel Dieu de gloire, la chose que tu lui as dit, éternel Dieu de gloire, ce jour-là. Ô éternel Dieu, donne-nous de te servir, éternel mon Dieu, selon ta volonté, Seigneur Jésus. Ta volonté, éternel mon Dieu, mon roi, puisse primer, éternel mon Dieu, mon roi. Que nous ne puissions pas faire des choses selon nous-mêmes. Que nous ne puissions pas faire des choses, ô Père éternel, selon nos émotions, Jésus. Mais Père éternel, nous puissions toujours chercher à avoir des directives, Seigneur Jésus, avoir ta direction, éternel mon Dieu, car c'est toi qui sais, Père éternel, là où tu nous emmènes, éternel mon Dieu, mon roi. Père éternel, donne-nous, Jésus, d'avoir, Seigneur Jésus, nos yeux fixés vers toi, afin que nous ne puissions pas nous perdre, mais que nous puissions toujours, Seigneur Dieu, voir, Seigneur Jésus, voir la direction que tu nous présentes, éternel mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, éternel Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, merci, Père éternel. T'adorer, Seigneur, t'adorer.
continuer à prier pour l'église de Dieu. Tu vas demander à ce que l'unité puisse régner au sein de son église. Que l'amour puisse régner au sein des membres de son église. Nous avons suivi le séminaire concernant la Pentecôte. La Bible nous dit dans le livre des Actes que l'Esprit de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres, cela était à un seul endroit et ils étaient tous réunis à un seul endroit. Lorsque nous sommes unis, c'est là également que nous vivons la gloire de Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu de division. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désunion. Mais notre Dieu est un Dieu d'union. Il dit tel que il est un avec le Père, il aimerait également que nous soyons ainsi. Alors tu vas prier et demander à Dieu, recommander l'église entre les mains de Dieu et lui demander à ce que l'unité puisse régner au sein de son église au nom de Jésus. Père, nous te prions. Seigneur, nous recommandons ton église entre tes saints. Yahweh, nous voulons avoir un seul esprit, Seigneur Jésus. L'Esprit de Dieu. Nous ne voulons pas avoir des esprits qui divergent éternellement, mon Dieu. Mais Seigneur, nous voulons tous converger éternellement, mon Dieu, mon roi, vers ton esprit éternel, mon Dieu, mon roi. Cet esprit qui est l'esprit d'amour, l'esprit qui sait mettre ensemble éternel, mon Dieu. L'esprit qui sait mettre d'accord éternel, mon Dieu, Seigneur. Père, nous voulons vivre cela au sein de ton ensemble. Lorsque nous sommes unis, Seigneur, c'est là également, Père, que tu déverses éternellement, mon Dieu, mon roi, tes bénédictions, Seigneur Jésus. C'est là, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu te révèles, Père éternel, dans la vie de tout en chacun de nous. C'est là également que nous voyons nos vies être impactées par la puissance de ton esprit, Seigneur Jésus. C'est là également que nous voyons, Seigneur, que les choses, éternel, mon Dieu, mon roi, ne sont plus les mêmes, éternel, mon Dieu, et qu'il y a un réel changement, éternel, mon Dieu. Père éternel, Yahweh, nous voulons que toi, tu puisses te manifester et que toi, tu puisses régner éternel, mon Dieu, mon roi. De sorte que, Seigneur Jésus, nous soyons toujours unis, Seigneur. Que l'amour éternel, mon Dieu, mon roi, puisse régner au milieu de nous, Seigneur Jésus. Que nos cœurs éternels, mon Dieu, mon roi, Seigneur, soient remplis. Remplis éternel, mon Dieu, mon roi, de ton amour éternel, Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, que l'amour nous envahisse, Père éternel. Cet amour, Seigneur Jésus, fera que lorsque, Père, on fera même les défauts, Seigneur, de nos bien-aimés, Seigneur, que nous puissions être capables de les aimer, Seigneur. C'est cet amour qui fera que nous soyons capables de nous supporter les uns les autres. C'est cet amour qui fera que, Seigneur, nous puissions nous tenir main dans la main, Seigneur, afin d'avancer, Seigneur Jésus, là où toi tu es en train de nous emmener. Oui, Seigneur, je sais que tu es en train de nous emmener quelque part, éternel Dieu. Ce n'est pas pour rien, Père éternel, que tu as permis, Seigneur, que nous puissions nous retrouver ensemble. Seigneur, nous avons bel et bien une destination éternelle, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Voilà pourquoi, Père, je te prie pour que l'unité, Seigneur, l'unité, Jésus, pour que l'amour éternel, mon Dieu, puisse régner au milieu de nous, Seigneur Jésus. Que cela demeure éternel, mon Dieu, mon roi, Père éternel, que nous puissions être capables. Capable, Seigneur, de nous supporter, Seigneur. Capable, éternel, mon Dieu, mon roi, de nous aimer les uns les autres, éternel, mon Dieu, mon roi. Tel est le plus grand commandement, Seigneur Jésus, que tu nous as donné, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Merci. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions avoir une pensée pour les personnes qui sont malades. Peut-être dans ta famille,
peut-être une personne que tu connais, et même pour des personnes que nous ne connaissons pas. Il y a parmi ces personnes des enfants, des tués également, qui sont en train, jour et nuit, de crier à Dieu, d'appeler Yahvé Rapha. On va avoir une pensée pour ces personnes-là et les recommander à la grâce de notre Dieu. Nous prions. Yahvé Rapha. Père éternel, je viens devant toi. Le Dieu qui guérit. Yahvé Rapha, Seigneur Jésus. Dieu qui délivre de toute maladie. Oh Dieu, Père, notre Dieu, je viens devant toi recommander notre Dieu, tous nos bien-aimés de cette assemblée. Seigneur, vois qui est malade, dans un problème, notre Dieu de santé. Qui est tourmenté, éternellement, pour ce par une douleur quelconque. Que tu puisses les guérir. Qui est éternellement, ce moment, n'a le regard que fixé vers toi. Il y avait un général qui avait personnellement dans sa maison. Seigneur. Je ne suis pas digne pour que tu rentres Seigneur, dans la maison. Seigneur, le médecin ne peut plus rien. Seulement un mot. Mais Seigneur Jésus. Et mon serviteur sera guéri. Tu es éternellement le Dieu. Et la même chose s'est accomplie selon ce qu'il avait demandé. Oh, éternellement ce mot, Seigneur. Toutes les personnes malades de cette assemblée. Yahweh, que tu j'ai pris notre Dieu pour ceux aussi, Père éternel. Même qui ne que sont tu pas étends ta main puissante, éternellement. Enfant de Dieu qui. Dans ta parole, éternel, mon Dieu, mon roi, à la recherche, notre je n'ai Dieu, pas vu un malade qui était venu à toi, que Seigneur, Dieu, papa, et retourné, Père éternel, de quand la je même regarde façon. Dans ta parole, je vois notre tu Dieu, as guéri les paralytiques, éternel, mon Dieu. Tu as guéri, éternel, mon Dieu, mon roi, des aveugles nés, Seigneur Jésus. Mais tu as même ressuscité des morts, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Que ce soir, nous aussi, nous puissions toucher notre Dieu. Vois en ce moment une personne qui a une maladie incurable, Seigneur. La guérison oh Dieu de gloire, Seigneur Jésus. D'une santé je me souviens d'un jour que tu t'es manifesté notre où j'étais malade, éternellement, Dieu, je sais. Où j'ai marché, éternellement, mon Dieu, de médecin en médecin, Père éternel. Aucun médecin n'a pu faire quoi que ce soit pour moi. Mais lorsque j'ai crié à toi, éternel Dieu, lorsque je t'ai appelé, éternellement, mon Dieu, comme il y avait Rapha, Jésus. Yahweh, tu as penché ton oreille, éternel mon Dieu, mon roi. Tu as étendu ta main, éternel mon Dieu, mon roi, Jésus. Du jour au lendemain, je t'ai guéri, Seigneur. Tu es dans ta main que tu tu l'as fait, éternel mon Dieu. Tu es capable de le faire encore aujourd'hui. Je sais que la maladie incurable n'existe pas pour toi, Seigneur Jésus. Car tu es le médecin par excellence. Et la oh éternel mon Dieu, mon roi, que tu guérisses éternel mon Dieu, mon frère, ma soeur qui souffre, éternel mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, éternel mon Dieu, mon roi. Alléluia. Qui voit tout, qui connaît tout et qui sait tout. Laisse que tu puisses, mon Dieu, visiter cette personne. Merci, Jésus. Que tu la guérisses. Guéris éternellement, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Même dans les soins intensifs. Guéris éternellement, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Ne pas rentrer dans les hôpitaux. Cette personne, éternellement, mon Dieu, mon roi, qui s'est trouvée dans les soins intensifs. Et n'ont plus la force. Cette personne, éternellement, mon Dieu, mon roi, Père, qui est appelé légume, Seigneur Jésus. Yahweh, toi tu es capable, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de redonner, Seigneur, la vigueur, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, à ses os. Oh éternel, mon Dieu, tu es capable, éternel, mon Dieu, Père, de reconstituer chaque cellule humaine, éternel, mon Dieu, mon roi, Père, Seigneur Jésus, étends ta main, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, étends ta main, Seigneur Jésus, sur ce homme, au nom de Jésus-Christ. Et dans ta main, Seigneur, et que toi tu lui donnes, éternel mon Dieu, mon roi, de vivre encore, Seigneur Jésus, et qu'il puisse proclamer, Seigneur Jésus, les merveilles venant de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Il n'existe pas que les maladies qui touchent nos corps, mais il existe également les maladies de l'âme. Nous allons prier. Recommander toutes ces personnes qui souffrent intérieurement,
toutes ces personnes qui sont meurtries, toutes ces personnes qui sont blessées au-dedans d'elles, on va demander que le Seigneur, qui sait guérir toute blessure, puisse les toucher et le guérir au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur, tu vois pour quelqu'un. Mon frère, pour ma soeur, éternel Dieu de gloire, là où il se trouve, Yahweh, que toi tu puisses toucher son âme éternellement, Dieu mon roi. Père éternel, que tu guérisses au nom de Jésus. Guéris éternellement ce mon roi. Là où, Seigneur Jésus, ils se sont blessés. Là où, Seigneur, ils se sont éternellement ce mon roi. À cause des mauvais traitements. Vexés éternellement ce mon roi. À cause de certains traitements éternellement Dieu des hommes, Seigneur. L'âme et l'esprit de quelqu'un. Yahweh, Père éternel, que tu guérisses. Mon Dieu, mon roi, dans ses vies. Guéris éternellement Dieu en profondeur. Éternellement, ces blessures qu'aucun être humain ne peut voir, éternel Dieu, mais que seul toi, éternellement Dieu, qui sens le cœur et le rein voient, que tu vois, Seigneur, et que tu guéris éternellement de ce mon roi, Seigneur, que tu penses les blessures de l'âme, éternellement de ce mon roi, éternellement Dieu, Jésus, que tu cicatrises éternellement Dieu, Père éternel. Au nom de Jésus, soit notre Dieu, Papa, merci éternel Dieu de gloire. Merci de libérer éternellement ce mon roi, Seigneur. Toutes ces personnes, Seigneur Jésus, qui, lorsqu'ils pensent, Père éternel, à une parole, éternel Dieu, lorsque ces personnes pensent à un traitement quelconque, cela fait couler des larmes de leur cœur. Seigneur Jésus, vois quelqu'un qui souffre. Dans ton église, Seigneur, vois quelqu'un qui souffre. Dans nos familles, Seigneur, vois quelqu'un qui souffre, Père, dans notre entourage, éternellement, Dieu, mon roi. Ceux-là qui souffrent dans le silence, éternellement, Dieu, qui ne disent un mot, éternellement, qui ne disent mot, Seigneur Jésus. Yahweh, que tu le guérisses. Au nom de Jésus. Guéris les âmes, notre Dieu, de ton peuple. Au nom de Jésus. Les âmes de ton peuple. Car c'est toi qui es Dieu. Merci, d'un cœur et connaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois. Merci, tu y as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci. Père éternel,
Merci le Dieu merveilleux. Merci le Dieu incomparable. Merci le Dieu vivant. Merci à toi, Père éternel. C'est lui qui nous reste débiteur de personne. Merci Seigneur Jésus, car nous croyons, éternel Dieu de gloire, que tu es notre Dieu. Que tu es le roi, Seigneur Jésus. Nous croyons, Seigneur, que ce soir, Père éternel, nous ne sommes pas présentés devant un homme ordinaire, mais que nous étions devant la présence de notre Père. Que nous étions, Père éternel, dans la présence de notre Dieu, Jésus. Père, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait, pour ce que tu as accompli dans la vie de tout un chacun de nous, Seigneur. Même si nos yeux physiques, Père éternel, ne peut voir cela, Seigneur. Mais Père éternel, nous croyons, Seigneur. Nous croyons, éternel, mon Dieu, mon roi, que dans les spirituels, oh Dieu, quelque chose s'est passé. Que dans les spirituels, éternel Dieu, les choses ont bougé, éternel Dieu. Que plus jamais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les choses ne seront les mêmes, éternel Dieu de gloire. Oh oui, Père éternel, nous croyons en cela. Nous croyons en cela, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous avons la foi en toi, Seigneur, car la foi, ce n'est pas de voir et de croire, éternel, mon Dieu. Mais Seigneur, c'est de croire et voir, éternel Dieu. Et puisque nous croyons, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous ferons également au nom puissant de Jésus. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, pour ce que tu as fait dans la vie de mon frère et de ma soeur, éternel Dieu. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, pour ces temps aussi précieux, éternel, mon Dieu, mon roi, où tu nous avais invités dans ta présence, Seigneur Jésus. Merci de nous avoir fait du bien. Merci d'avoir restauré nos âmes, éternel Dieu. Merci d'avoir restauré nos vies. Merci, éternel, mon Dieu, pour les pluies de bénédictions, Seigneur, qui pleuvent, éternel, mon Dieu, dans nos maisons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la pluie des guérissons, Seigneur, qui pleut, Père éternel, dans la vie de tous nos bien-aimés malades. Seigneur Jésus, nous le croyons guéri au nom de Jésus. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu as fait. Merci, Jésus. Merci, Papa. Que la gloire te revienne parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier et commander le reste de la soirée entre les mains de Dieu. La nuit entre les mains de Dieu. Notre retour également entre les mains de Dieu. Nous allons aussi prier pour nos bien-aimés qui n'ont pas pu être des nôtres en cette soirée. Dieu seul sait les raisons de leur absence. On va le recommander entre les mains de Dieu, de sorte que la bénédiction que le Seigneur a déversée en ces lieux, que cela soit également leur partage. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, nous venons te prier et nous recommandons, éternel, mon Dieu, mon roi, le reste de notre soirée entre tes mains. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi, d'être avec nous. Merci de continuer à nous sécuriser, Seigneur. Merci de continuer à nous préserver, à nous protéger, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ton armée céleste, éternel, mon Dieu, mon roi, qui campe autour de tout en chacun de nous, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, Dieu, pour notre nuit, Seigneur. Yahweh, que ta présence, Seigneur Jésus, puisse être manifeste dans nos maisons, éternel, mon Dieu. Que en cette nuit, Jésus, nous puissions avoir la visitation divine au nom de Jésus-Christ. Yahweh, que toi, tu puisses te révéler en nous, Père éternel, que tu puisses nous parler, Seigneur Jésus, que tu puisses te manifester dans nos maisons, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, Père éternel, Jésus, notre chemin de retour entre tes saintes mains, Seigneur Jésus, que tu puisses nous escorter, Père éternel, jusqu'à destination, au nom puissant de Jésus-Christ. Loin de nous, Seigneur, les pièges de l'ennemi. Loin de nous, Seigneur, les accidents de circulation. Éternel, mon Dieu, mon roi, des accidents domestiques. Éternel, Dieu de gloire, Jésus, que tu préserves nos vies au nom de Jésus-Christ. Père, nous te prions, nous recommandons nos bien-aimés qui n'ont pas été de notre ce soir. Seigneur, tu connais la raison de leur absence. Seigneur, daigne le bénir, Seigneur Jésus, là où il se trouve, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu déverses sur eux également, Seigneur, la même bénédiction, Seigneur Jésus, déversée sur nous, éternel, mon Dieu, qu'ils puissent bénéficier, éternel, mon Dieu, de la même grâce.
grâce éternelle, mon Dieu, mon roi, répandue dans nos vies en ce soir au nom de Jésus. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu vas faire encore dans la vie de tout un chacun. Le culte de jeudi, Seigneur, entre demain, Seigneur, que tu puisses utiliser la personne que tu t'es choisie pour nous parler puissamment, éternel, mon Dieu, mon roi, que nous puissions recevoir ce que toi tu as prévu pour tout un chacun de nous, Seigneur, car tu connais, tu sais ce qu'il nous convient réellement, Seigneur, comme nourriture, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que tu mets des paroles dans sa bouche, éternel, mon Dieu, mon roi, des paroles qui vont changer nos vies, des paroles qui vont impacter nos vies au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci Père éternel, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre roi, que l'honneur te revienne au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous acclamons les Seigneurs des Seigneurs. Il est merveilleux notre Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que le Seigneur se souvienne de tout en chacun de nous. Et qu'il continue encore à se manifester puissamment dans la vie de tout en chacun de nous. Je vous souhaite une agréable soirée sous la protection divine. Amen.